Bonjour, je m'appelle Stéphane, donc je suis membre de la formation depuis janvier 2014. Donc voilà, comme beaucoup de gens, j'ai commencé avec un compact où je m'en servais essentiellement pendant les vacances. Et j'ai décidé donc de franchir le pas et de passer à un réflexe qu'on m'a donc offert pour les fêtes de 2013. Mais je voulais absolument pas donc me contenter du mode tout automatique et laisser faire pareil tout seul. Je trouve ça vraiment frustrant. Donc très vite sur Google, je suis tombé donc sur le blog de Laurent qui a fait donc la promotion de sa formation de devenir photographe accompli. Je me suis inscrit et je dois dire que je suis vraiment pas déçu. Les notions sont vraiment très bien expliquées. Laurent est très pédagogue. Il utilise un langage pas du tout technique, ou s'il l'utilise, il prend vraiment le temps de l'expliquer, donc il est difficile d'être largué. Si jamais on a des questions, donc Laurent il répond quand même assez rapidement. Et donc ce qui est bien dans ces vidéos qui sont distribuées à la semaine, c'est qu'il y a à chaque fois peu de notions à assimiler, ce qui fait qu'on ne se mélange pas les pinceaux, et voilà, dans la semaine. On prend son courage à deux mains et on va faire les exercices dehors, donc pour faire les photos par rapport à ce qui est demandé. Et ouais, très vite, donc j'ai eu des vraiment une modification de mes photos. En plus, certes, comme là, il y a le langage technique, comme là, les bases techniques qui nous sont apprises, mais aussi donc les bases plus subjectives de composition, d'inspiration, et aussi donc très important. Apprendre à faire du post-traitement qui fait partie intégrante du processus photographique, parce qu'il faut quand même bien l'avouer, la photo, c'est aussi de l'art. Voilà, donc moi j'en suis au cinquième mois, sixième mois de la formation. Voilà, donc j'ai fait le plus gros, mais voilà, déjà je trouve qu'entre avant et maintenant, il y a vraiment de gros progrès de fait, et c'est vrai que le regard que j'ai quand je fais une photo est pas du tout le même, et vraiment je félicite Laurent pour cette formation de qualité, pédagogue, intéressante, vraiment accessible au plus grand nombre.